Il était une fois, au fin fond de la planète Terre, une sorcière appelée Peach. Elle avait un but dans la vie, dominer le monde. Pour ce faire, Peach devait trouver un moyen d'affaiblir les armées humaines. Elle eut un éclair de génie très vite et fabriqua avec du tissu et des tripes humaines un objet que la planète entière convoitera. Comme prévu, cet objet divisa la planète en trois camps distincts. Ceux aux yeux sensibles, ceux aux yeux moins sensibles et ceux qui s'en battent les couilles. Cet objet, c'est celui-ci. Des guerres civiles éclatèrent partout dans le monde, faisant des milliers de morts. Ainsi, la première partie du plan de Beach avait marché à merveille. Elle était même en top tweet mondial. Certains pensent que cette robe est bleue et noire. D'autres pensent qu'elle est blanche et dorée. Personnellement, je suis dans le troisième camp. Ceux qui s'en battent les couilles. Même si je pense quand même qu'elle est bleue et noire, mais bon, hein. Mais c'était sans compter l'aide d'un héros international, Jean-Pierre. Il va parcourir le monde entier pour détruire cette robe dans un volcan. Jean-Pierre et la quête de la robe bleu, blanche, noire, dorée, bientôt au cinéma le 36 mars 2015.